Eh bien bonjour à tous, donc aujourd'hui une petite revue pour vous présenter une nouveauté Spider-Co, mais avant ça je voudrais prendre le temps de vous remercier, sincèrement vous remercier. Depuis vendredi dernier on a atteint la barre des 4000 abonnés, c'est énorme. Quand on ouvre une chaîne sur YouTube, on n'est pas à la course aux abonnés, ça c'est clair. On essaie de partager, chacun fait ça un peu à sa sauce. Ça fait quelques années maintenant que je vous présente quelques revues sur des lames, sur de l'équipement, sur mes déplacements, sur mon travail. Beaucoup de vidéos sur mon travail à l'atelier Bastinelli. Et j'ai toujours un soutien énorme. YouTube m'a permis de faire des rencontres. Je suis pas là en train de vous faire la petite mélodie qui va bien. Et je cherche pas à vous faire pleurer, mais j'ai fait de super belles rencontres sur YouTube grâce justement à cette chaîne, grâce aux échanges, grâce au partage, et ça c'est vraiment top, ça c'est vraiment 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 top. Donc pour 2013 on lâche rien, forcément, toujours aussi motivé parce que quelque part vous me motivez, le fait d'apprécier, le fait de commenter, le fait de soutenir la chaîne. Donc j'essaie de garder un maximum l'identité, de rester fidèle à ce que je fais depuis le début. Et donc pour 2013, voilà, tout ce qui peut me passer entre les mains, qui peut intéresser les mordus de l'âme, les mordus du tactique, j'essaierai de vous le présenter, comme j'ai toujours fait aujourd'hui. Vous présenter bien sûr toujours les nouveautés qui sortent de mon atelier, pour vous parler un peu plus en détail de mon travail, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans ce domaine-là. Et donc voilà. Un début de vidéo tout simplement pour vous remercier, merci sincèrement. On passe maintenant à la revue d'une nouveauté Spider-Co. Alors c'est pas vraiment une nouveauté parce que je vous ai déjà fait pas mal de revues sur la gamme Matriarch. Là ici le Matriarch 2, voilà une autre version du Matriarch présentée ici. Le Matriarch 2 en version compacte. Le Lille Matriarch. Je ne peux pas vous présenter le Matriarch sans forcément faire une petite apparition du Civilian, qui est un peu à l'origine de la ligne du Matriarch. Le Civilian qui est un couteau magnifique et terrifiant. Donc voilà, donc ici le Matriarch 2. Qui a subi une petite mutation pour cette année 2013 pour tous les mordus de Wave. Voilà, le Matriarch dans sa version Wave. Donc le Matriarch 2, donc toujours le même cahier des charges, VG10 pour la lame, cette forme de lame agressive au possible, full sératide. Le Spider Roll qui permet une ouverture droitier-gaucher, le système Wave qui permet une ouverture très rapide sortie de poche. Donc je continue à le dire, dans les gammes de couteaux pliants, le Wave est aujourd'hui l'ouverture la plus rapide sur le marché. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous avez saisi le couteau dans votre poche, vous pouvez l'appuyer sur le bord de la poche, le couteau sort ouvert. Alors maintenant, c'est un système d'ouverture qui est plus ou moins critiqué parce que effectivement, il faut faire un petit peu attention au wave. Quand on veut sortir tout simplement le couteau sans l'ouvrir, le wave peut s'accrocher et la lame peut quand même s'ouvrir. Il y a une petite, il y a souvent une petite appréhension. Les accidents se sont vite arrivés avec ce type d'ouverture. Maintenant, quand on fait un peu attention et qu'on prend l'habitude de ce système-là, c'est un régal, c'est explosif. Je vous ai déjà fait pas mal de revues sur le Wave, donc je ne vais pas m'étendre plus que ça. Donc le manche, on garde toujours les mêmes caractéristiques, toujours du FRN, avec une carcasse en acier à l'intérieur. Voilà, des renforts. Système lockback. 4 positions possibles au niveau du clip ceinture. Donc l'avantage, voilà, avec Emerson. Donc l'avantage de ce type de couteau, comme tous les couteaux Spider-Co, c'est qu'avec le Spider Roll, l'ouverture est très rapide, c'est pas un souci. Mais avec ce petit crochet-là, vous allez pouvoir l'accrocher. Dès que vous avez une petite surface sur laquelle vous pouvez accrocher, là je vous fais la braguette tactique. Sortie de poche, ici. Voilà, vous l'avez là, vous le sortez, vous le tenez. Voilà, le couteau est directement ouvert. Ça marche. Une fois qu'on est à l'aise, ça marche sur plein de surfaces, sans souci. Très amusant à utiliser.
Donc voilà, le matriarche de Wave. Revue très courte pour vous le présenter. Vous voyez un petit peu l'esthétique du couteau. Et le système Wave, pour tous les mordus qui aiment cette ouverture, change vraiment radicalement la ligne. Hein. C'est sûr que esthétiquement, ça reste toujours aussi peu esthétique, on va dire. Ça reste pas très très joli. Ça casse les lignes. Je préfère franchement au niveau d'esthétique une ligne beaucoup plus simple comme celle-ci, moins marquée par ce système-là d'ouverture, mais l'efficacité de ce système d'ouverture rattrape un peu l'esthétique du couteau et permet facilement de l'oublier et d'apprécier justement la sportivité et l'agressivité et l'explosion de l'ouverture du système Wave. Voilà. Pour cette lame extrêmement crochue.